Alors bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger des boules d'ail avec un œuf au plat et des saucisses pieuvres. Aujourd'hui il n'y a pas de shout-out. Bon appétit, je vous aime tous très fort. Le jaune il est bien dégoulinant. Après je vais l'éclater et je vais le mélanger dans les nouilles. Comment je fais pour éclater? Tu veux que je te le fasse? Oui. Ah, cool. Alors, on fait ça. Et voilà. Et après, on mélange les nouilles. Tiens. Merci, maman. De rien, jeune fille. Bon appétit, on vous aime tous. Dis très... je, parce que t'es toute seule. Ah oui. Bon appétit, je vous aime tous très fort. Ça va permettre aux nouilles d'être moins piquantes. Bah oui. Je ne prends pas trop non plus. En plus, c'est encore chaud, hein. On a toute la fumée qui sort. Avec des petites saucisses pieuvres. Ici. Attends, je prie. Alors, c'est beau? Ça pique? Un peu. Ça pique un peu, mais c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on est parti à l'animalerie et comme mon hamster il était décédé il y a quelques mois, bah en fait, ma maman m'a dit on te prendra un petit lapin. On a attendu quand même un petit peu parce que Olaf, ça fait un peu plus d'un mois maintenant qu'il est décédé. Mais oui. Ouais. Ça m'a fait mal au cœur quand même. Bah, il a tenu longtemps, hein. Même quand on l'a dit à l'animalerie tout à l'heure, elle nous a dit ah, bah, il a bien tenu quand même. Hein. 3 ans et quelques mois, ça fait bien quand même pour un hamster. Donc là, on est parti, on a regardé un petit peu les petits lapins. Et on a flashé sur un lapin nain, enfin une lapine naine. Oui, et en fait, elle est toute noire avec des petites popotes toutes blanches. C'est une vraie chipie. Ah bon? Ouais, c'est elle qui a sauté à chaque fois qu'il sautait et qu'il faisait peur aux autres. Ah bon? Ouais. Et c'est elle qui avait les petites papates qui glissaient dans la cage là, dans le nid. C'est elle qui avait les petites papates de devant qui glissaient. Et du coup, maman elle a hésité un peu. Parce qu'à la base je voulais un crème ou un tout blanc. Ah oui. Et comme il y avait un crème, il était réservé. Ben, elle a commandé, elle a signé un papier pour qu'il soit réservé déjà pour elle. Et du coup, elle a signé les papiers et il y avait deux feuilles qu'on devait lire pour bien s'occuper du lapin et bien l'accueillir. Du coup, après, j'ai versé la compte. T'as versé la compte. Et mercredi prochain, il faudra juste verser le reste et on pourra récupérer notre lapin. Oui, et maman, elle cherche encore le prénom. On sait pas encore. Si vous avez des idées, mettez-en en commentaire pour voir. On a déjà Moumou, le chat. On a eu Olaf, le hamster. Et là, maintenant, ça va être je sais pas quoi, le lapin. Moumou, elle est encore là. Elle est toujours là. Elle va rester là. Et puis, le hamster, bah, le lapin, donnez des idées. Elle est toute noire. Elle est toute noire avec des papates. Toute blanche. Elle est toute rikiki, c'est une lapine naine. Mais elle est trop mimi. Franchement, elle est trop belle. J'arrête pas de la regarder. Mais je pense que plus tard, on se prendra aussi un aquarium pour mettre des petits poissons dedans. C'est trop swag. Alors là, Moumoune, elle va avoir plein de trucs à vouloir manger en tout cas. Non, parce qu'elle mange bien. Elle mange bien, mon goût. Sérieux? À chaque fois, elle mange pas. Et puis là, ça sera trop gros pour elle. À avoir ça, elle va flipper. Déjà, elle a peur de tout. Tout à l'heure, tu sais pas ce qu'elle a fait? J'étais en train de faire la vaisselle à côté de toi, là-bas. Ouais. Et tu vois, le sac grand frais, il est en papier. Ouais. Le sac grand frais, je l'ai posé dans la pièce derrière qui est ouverte là-bas, derrière Sephora. Donc, j'ai posé le sac vide grand frais en papier là-bas. Et Moumou, comme elle aime aller traîner là-bas, vu qu'il y a toute la nourriture pour elle, toute sa nourriture, elle aime aller traîner là-bas. À un moment, elle a marché dessus. Et elle a flippé. Elle a bondi, elle s'est retrouvée à l'intérieur, elle s'est retrouvée à l'extérieur, elle flippait, elle sautait dans tous les sens.
Mais comme j'avais les mains mouillées et que j'étais en train de faire la vaisselle, bah, je pouvais pas lui aider. Après, au moins, elle est sortie d'elle-même toute seule, mais elle a flippé. Sa queue, elle était, ses poils, ils étaient complètement hérissés. Elle a fui, elle est sortie là en courant, mais genre en faisant du surplace comme dans les dessins animés. Ah mais oui, quand elle fait ça tout le temps, quand elle court comme ça là, mais elle veut avancer, mais elle peut pas avancer parce qu'elle veut. Elle sort ses griffes en même temps en plus. Elle sort ses griffes. Pourquoi elle est juste comme ça? Bah du coup, bah on aura un lapin. Mercredi prochain, il faut attendre une semaine, il faut un délai d'une semaine. Pour enfin, avoir le temps de préparer nos affaires, tout ce qu'il faut pour elle, pour l'accueillir et pour voir si on change d'avis ou pas. Apparemment, il y a plein de gens qui changent d'avis et qui les rapportent au bout d'une semaine. Avant, c'était ça. C'est pour ça que maintenant, ils font ça. C'est une nouvelle loi qui est passée. Ah. Tu prends le lapin, tu choisis celui que tu veux, tu le réserves, tu le laisses à l'animalerie, tu payes une partie de du prix à payer et tu reviens la chercher une semaine après. Comme ça, si tu as le temps de changer d'avis, bah, tu peux revenir dans la semaine ou les appeler pour dire que tu as changé d'avis et que tu ne veux plus le lapin. Pour éviter de prendre le lapin, le ramener chez toi, ça fait beaucoup de stress et le ramener encore au magasin, ça fait encore beaucoup de stress. Les gens, ils sont sauvages quand même. Hein. Comment ils faisaient ça? Pauvre lapin. Oui. Mais là, je demandais une famille. Ben oui, il veut juste une famille pour la vie et puis bim, on lui fait ça. C'est bon? Tu veux faire caca? Va faire caca. Alors lui, c'est toujours quand t'es en train de manger qu'il dit maman, oui caca. Mais oui. Ah oui, avec maman. En fait, j'ai demandé à maman si je pouvais aller dormir avec elle dans sa chambre. Placer le matelas et tout. Du coup, j'ai placé le matelas. Sauf que comme il y avait une vis, parce qu'il y a une poignée de son placard qui s'est dévissée. Comme la vis était pointue, bah ça m'a fait une grosse devire comme ça. En fait, c'est même pas la vis qui s'est dévissée, c'est la poignée. Il faut que je revisse la poignée. Les vis sont encore collées à la porte du meuble, mais la poignée s'est détachée, donc il faut que je remette la poignée. Mmh. Mais du coup, tu t'es pris la main dedans. Ouais. Et ça t'a bien griffé, hein. Une grosse griffure. De là jusqu'à là. C'est gros quand même. Et après ce qu'elle a fait, cette folle là, quoi? Elle est partie dans la douche, elle a pris du parfum, elle a pchité sur la plaie, ça lui a arraché, elle a pleuré en silence. C'est après elle est venue me voir dans la chambre pendant que j'étais en train de faire dormir Aaron. Maman, j'ai mis du parfum dessus, ça m'a piqué. Et j'ai fait. Ah, tu vois que t'as juste envie de faire pipi, t'as déjà fait ton caca, ça va. C'est toi que tu vois là. J'ai un autre rouge à lèvres. Un rouge à lèvres pipi. C'est du rouge à lèvres piment? Ouais. Ça te pique trop? Tu peux arrêter si tu veux. Oui. On va dire so guys. So guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye. Je pense que le gâteau il est déjà prêt. Oui.